Bonjour à tous, et bien voilà, ce matin nous sommes repartis pour le deuxième jour du 54e congrès ICEM à Angers. Donc je vous embarque avec moi et puis et bien, on verra les découvertes, les innovations qu'on va trouver. J'espère voilà, vous apporter plein de petits éclairages, de petits outils de cette deuxième journée. Pour ce deuxième jour au congrès, j'ai choisi d'aller voir l'atelier JCOP et JMAG. Alors JCOP et JMAG, ce sont des magazines qui sont publiés par l'ICEM depuis beaucoup d'années pour JMAG. JCOP, c'est beaucoup plus récent. Alors ces magazines, en fait, ont la particularité d'être entièrement produits à base de production d'enfants, que ce soit des textes documentaires, poétiques, recettes, reportages, créations, enfin bon, il y a beaucoup de choses, et ils sont aussi illustrés par les enfants. Donc JMAG et JCOP, c'est en fait 5 publications par an pour 25 euros, à condition d'avoir plusieurs abonnements ensemble. Donc moi je suis abonnée depuis au moins 6 ans à JMAG. Et puis à JCOP, bah, depuis sa création, puisque sa création a correspondu avec mon arrivée dans le cycle 3. Et en effet, JCOP s'adresse plus à des enfants de cycle 3. Alors là, on a eu la chance d'avoir les créateurs avec nous, qui nous ont invités à découvrir ces différents magazines. Et donc on a testé, donc bah, je vais vous montrer en vidéo ce que sont ces magazines. Et puis, je reviendrai après sur les différentes activités qu'on a pu mener, nous, sur ce temps-là. Évidemment, c'est très très riche, on peut en mener beaucoup d'autres avec notre classe. Alors, la première chose, en fait, avec ces magazines, c'est de leur donner une place particulière pour les accueillir en classe. C'est-à-dire que vraiment faire un temps d'accueil au magazine de découverte. Alors, la présentation peut être faite par un élève ou alors par un enseignant. Si on choisit la présentation par un élève, on peut le faire directement dès la réception du magazine. Mais aussi, on peut le donner en avant-première à un élève qui le présentera à la classe le lendemain. Et qui pourra donc présenter la première de couverture, la photo mystère, ça c'est pour JCOP. Et un secrétaire peut noter des hypothèses et la réponse est dans le numéro suivant. Donc la photo mystère, c'est un quatrième de couverture. Et une photo qui a été prise, à nous de deviner ce que ça peut être. Et il peut présenter le sommaire. Éventuellement, il peut aussi raconter, présenter son article préféré sur ce magazine. Et il y a énormément de possibilités aussi d'utilisation de ces magazines, notamment... une collègue qui met les ateliers mathématiques, les ateliers artistiques dans les plans de travail. Et il y a beaucoup de défis création qui sont en fait photocopiés, plastifiés et qui finalement deviennent un atelier. Alors nous, les défis qu'on a réalisés, les choses qu'on a fait tout à l'heure, il y a donc justement la photo magique, un défi techno. Donc l'idée de ce défi, c'est les enfants, parce qu'il faut qu'ils soient au moins deux pour le faire, doivent réaliser différents défis avec un enfant qui se trouve dans la main d'un autre, un enfant qui se trouve dans la bouche d'un autre, un enfant qui n'est pas plus haut qu'un Playmobil. Voilà, donc tout ça, ça leur permet d'approcher la perspective et de travailler en défi. En créa math, il y a eu là tout un travail sur les fractales, donc en fait différentes propositions par groupe. Et moi j'ai choisi de travailler en atelier sur une création artistique. Donc je vais vous montrer mon travail, mon résultat. Et puis finalement, ce qui est ressorti, au début on avait essayé de le faire au crayon de couleur, pour le faire en couleur, etc. Et... il s'est avéré que le stylo bille était quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus glissant pour faire ce genre de travail. Défi mat, il y avait un exercice sur les ogresses. Et puis donc au niveau de texte, il y a beaucoup de choses. Donc histoire inventée, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Donc souvent les histoires inventées peuvent permettre de donner des idées aussi en classe.
Il y a un travail sur le titre, notamment, des hypothèses de contenu, une mise en scène, imaginer la suite. On a aussi des histoires vécues dans cette histoire qui peuvent déboucher sur des, dans ces magazines, pardon, et qui peuvent déboucher sur des débats philo, des textes en écho, et pourquoi pas faire un recueil philosophique. Il y a aussi le format type BD, puis il y a des poésies, alors s'en faire souffler à l'oreille, etc., était une idée qui a été suggérée par une collègue qui le pratiquait dans sa classe. Voilà pour le tour de JCOP, de JMAG. Sachez que plus il y a d'abonnements à l'école, moins c'est cher. Et voilà, c'est vraiment un magazine intéressant qui peut aussi être un support de publication pour vos élèves. En effet, envoyer un texte, une création à JCOP ou à JMAG est toujours valorisant pour les élèves. Voilà pour ce premier temps de la matinée. Mon deuxième temps, alors j'ai choisi Méthode naturelle d'écrit, le texte libre en cycle 3. Voilà, le texte libre avec sa dimension littéraire, en fait, que les enfants comprennent qu'ils rentrent dans une attitude d'écrivain, que toutes les histoires, tous les romans qu'ils peuvent lire sont rarement des premiers jets et que du coup, bah, ils ont à faire leur démarche aussi, la même que l'écrivain. Et en fait, bah, pour nous mettre dans le bain de nos élèves, parce que très souvent on leur propose des choses mais qu'on a du mal à faire nous-mêmes, eh bien on s'est mis directement en situation d'écriture d'un texte libre. Donc on a eu 15 minutes pour écrire un texte libre, comme son nom l'indique. Donc bah, je vous livre le mien. Écrire pourquoi? Écrire pour quoi? Écrire librement. Écrire pour exprimer mes sentiments. Écrire quand c'est plus facile que dire. Écrire pour m'aider à réfléchir. Écrire pour alléger mes pensées. Écrire pour me libérer. Écrire pour me souvenir, écrire pour me relire, écrire pour avoir la chance de voir que j'avance. J'aime écrire pour moi, surtout. J'aime écrire pour ceux qui comptent beaucoup. J'aime écrire, un point, c'est tout. Donc ces textes, on était une petite dizaine dans l'atelier, donc on a chacun écrit un texte et on a fait la vie comme à l'école. Donc que fait-on de ces textes libres? Donc à chaque fois, on a défini finalement que c'est important de poser un cadre. Donc pas plus d'un par semaine et au moins un toutes les 2 semaines. Le but c'est vraiment que les élèves soient dans la production, mais aussi dans la recherche de l'amélioration. Donc si on est à plus d'un texte par semaine, c'est difficile en fait d'avoir des textes aboutis. Très souvent on produit et puis on ne cherche pas à faire mieux. Donc là l'idée c'est vraiment à partir de mon texte, comment je peux l'améliorer. Donc il y a la liberté du moment, liberté du genre, de la taille. Tous ceux qui veulent lire viennent devant la classe, il n'y a pas d'obligation. Et ça, c'est important. Alors, moi, dans ma classe, en fait, je ne fais plus le choix de texte depuis cette année, parce que ça m'embêtait, en fait, que toujours les mêmes élèves soient toujours choisis dans le journal. Et donc, comme je n'ai plus de journal, chaque fois qu'un enfant propose un texte à la mise au point collective pour l'aider à avancer, ce texte, il est proposé à l'enfant de le diffuser sur le blog. Et l'idée, c'est surtout de faire un recueil de textes de la classe qui paraîtra en fait au fur et à mesure que chaque enfant aura au moins un texte à présenter. Comme ça, je ne suis plus dans tel enfant a présenté un seul texte, tel enfant en présente tout le temps et donc est très souvent élu et pas les autres. Donc voilà, j'ai choisi cette année d'arrêter mon journal de classe au profit du blog et par contre de faire des recueils de textes. Donc la mise au point de texte, comment elle se passe? Donc là, on a vraiment vécu avec l'histoire du président, etc. Parce que l'enseignante qui était avec nous pour cet atelier, finalement, est une enseignante en pédagogie Freinet, mais pédagogie institutionnelle avec un cadre très posé. Donc bah, finalement, ça a bien rejoint ce que moi j'ai fait. Et voilà. Après, la mise au point de texte, en fait, on l'a fait seule d'abord. On réfléchit pendant 5 minutes. Après, on discute à deux. Voilà, sur ce qu'on a déjà réfléchi. Et puis, en classe entière, on discute seulement sur les désaccords, histoire de gagner du temps. Et puis, évidemment, si le texte est trop long, bah, l'enseignant peut choisir seulement une partie à mettre au point dans ce texte. Donc, bon, là, je n'ai pas, moi, découvert beaucoup de choses, en fait, sur le texte libre, puisque je le pratique maintenant depuis 15 ans. Mais je me suis mise dans la position des élèves. Et ça, c'était intéressant parce que je crois que je ne l'avais jamais fait, d'être dans cette position d'écrire, de présenter mon texte à un groupe.
Et puis, voilà, très riche. Et puis, ça fait toujours du bien aussi d'être conforté dans ses pratiques et dans ses idéaux, même si, évidemment, la réflexion, finalement, de ne plus faire de mise au point de texte et de... Enfin, de choix de texte, surtout, pour cette année, a finalement découlé de cet atelier. Alors, un atelier qui m'a beaucoup plu et je pense qui a été finalement le plus formateur pour moi dans tout ce congrès, c'est celui que j'ai fait l'après-midi sur la méthode naturelle en langue vivante. Voilà, ça a été vraiment une révélation en fait. J'appréhendais beaucoup l'apprentissage de l'anglais en cycle 3, donc même si ça fait troisième année que je suis en CM1, CM2, jusqu'ici je déléguais toujours cet apprentissage à mes collègues plus jeunes. Voilà, mon groupe de 30 cette année fait que il vaut mieux faire deux demi-groupes et donc que je m'y colle. Et cet atelier m'a permis de me rendre compte que finalement c'était pas si insurmontable que ça. Qu'on pouvait notamment déjà faire en sorte que la langue vivante étrangère ne soit plus étrangère et donc de la pratiquer notamment en sport, en classe. Et finalement, je suis en. Depuis la rentrée, en apprentissage avec mes élèves, en réapprentissage de cet anglais fonctionnel. On peut utiliser en anglais, on peut utiliser en sport aussi, faire des équipes, etc. permet d'introduire des structures répétitives, du vocabulaire. La base de la méthode naturelle, c'est d'attraper ce qui surgit en fait et d'en faire. Voilà, il y a des enfants qui parlent anglais à certains moments et voilà, et rebondir dessus pour finalement entrer dans l'aventure avec eux sur ce terrain. On a entendu parler aussi de différentes applications techniques, notamment le text-to-speech. Voilà, c'est sur Internet, il y a beaucoup de sites qui le proposent. Donc, on tape un texte et on obtient directement sa version audio. Alors en plus, depuis je l'ai testé et on peut trouver des versions anglais-britannique, anglais-américain, par une fille, par un garçon, donc pour les enfants c'est très intéressant de pouvoir s'entendre, surtout pour entendre la bonne façon de dire leur texte, et quand on a une maîtresse qui n'a pas forcément le bon accent et le bon un bon phrasé. Il y a aussi la mise en place de la méthode naturelle d'écriture en fait en anglais, chose que je faisais avec mes CP, et finalement je me dis qu'apprendre l'anglais aux élèves, c'est un petit peu leur apprendre à lire, mais dans une autre langue. Alors le paradoxe, c'est que j'ai toujours dit aux parents de mes élèves de CP que pour eux, là, il fallait considérer que le français écrit était une langue étrangère pour leurs enfants, et j'ai jamais pensé à faire de l'apprentissage de la langue étrangère, à utiliser la même méthode que celle pour la lecture. Donc là, ils écrivent en anglais avec les mots qu'ils connaissent. Et pour les autres, alors soit ils font une proposition, soit ils mettent un trait. Et puis après, ils apprennent à lire leur texte, donc avec les fameux logiciels text-to-speech, etc. Et puis, une fois que ce texte a été écrit par la maîtresse, en fait, il est écrit au tableau. L'enfant le lit et les autres doivent proposer, en fait, une traduction. Et c'est toujours l'enfant auteur qui valide. Donc voilà, là on revient sur le texte libre, sur la position de son auteur, et puis finalement sur la fierté d'avoir écrit quelque chose. Et puis après, il y a des chasse aux mots, hunting words en anglais, avec des différences comme ça. On va remarquer les able à la fin des adjectifs, on va remarquer des régularités dans la langue anglaise. Les pluriels qui sont marqués comme en français, la place de l'adjectif par rapport au français. Donc, à partir des textes libres, on peut vraiment travailler sur la structure grammaticale. Et puis surtout, ces textes-là, on les publie, on les diffuse. Et donc là, moi qui est en bloc de classe, je me dis, en plus, on peut diffuser la version audio lue par son auteur. Je suis ressortie de cet atelier, mais vraiment enthousiaste, l'impression d'avoir plein de billes, et puis avec en plus des livres à utiliser, donc Seven Blind Minds,
d'Ed Yang. Alors l'idée, c'est de toujours proposer en parallèle la version française et la version anglaise. Good Friends, les bons amis. The Very Hungry Caterpillar. Funny Boys, les bizarres en fait. My Dad, My Mom, My Brother, d'Anthony Brown. Winnie the Witch, donc c'est Pélagie la sorcière en français. A Bird on Your Head, de Mo Willems. Donc un oiseau sur ta tête. Et puis, autre chose qui a été proposée, c'était Diary of a Wombat et The Gruffalo. Donc, tout cet atelier très très riche, a été proposé par Juliette Gasselin. Voilà, on a vraiment vraiment appris beaucoup. Alors, merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Lycème, parce que là, je suis ressortie de cet atelier en me sentant beaucoup moins démunie pour l'anglais. Et puis, il y a plein de petites choses que j'ai déjà mises en place. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et le dernier atelier de la journée, c'était en amphi, c'était donc un documentaire tourné à l'école de Mont-Saint-Barœul, donc dans le Nord, avec une école qui fonctionne en pédagogie Freinet, mais avec la volonté que cette école soit l'école des enfants du secteur. Et donc, il y a juste eu une dérogation pour les enfants des enseignants. Sinon, tous les enfants sont issus du secteur. Le but, voilà, c'était de garder la mixité sociale. C'est une école publique. Donc, voilà, c'est important. J'ai vu plein de choses. Après, c'est difficile de parler. Enfin, bon, j'ai retenu des idées sur cette école qui fait envie. Hein, parce que forcément, une équipe qui fonctionne en pédagogie Freinet... ça fait envie dans notre système français. Voilà, il y a la lecture des textes libres, en fait, qui peut être enregistré sur dictaphone. Alors je me suis dit, ah, idée pour mon blog de classe. Lecture des CM aux grandes sections CP. En fait, le CP choisit une page et le CM l'aide à la lire. J'ai beaucoup apprécié aussi de voir le rôle du gardien du silence, qui a vraiment le rôle de, voilà, de rappel à l'ordre. Voilà, un tel, tu n'as pas la parole. J'ai apprécié aussi le fait de voir, enfin, eux, ils travaillaient avec un micro. Alors, je sais qu'il existe des micros USB dictaphone, mais là, je me dis que moi, je pourrais aussi faire passer dans les temps de parole ce dictaphone, ce micro, même pendant les conseils. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis en place avec les conseils, mais je l'ai mis en place avec les commentaires des présentations de lecture qui sont enregistrées, des présentations de poésie. Donc, tous les commentaires sont enregistrés. Et c'est vrai que mine de rien, bah, ça inclut vraiment ça induit le silence aux autres, parce que bah, ouais, tout est enregistré, et clairement on voit qui a la parole. Et puis une autre idée que j'ai trouvée très intéressante, c'était la présentation aux parents. Donc c'est vrai que ce temps de présentation des travaux, qui est ouvert aux parents, une fois toutes les deux semaines. Donc c'est l'heure des parents, le vendredi à 16h, il y a présentation des textes, présentation d'œuvres, de travaux, et les parents sont invités à venir rencontrer. Donc voilà, j'ai pris des idées, j'ai pris des envies, et c'était vraiment une riche journée. Donc un bon deuxième jour, et dont je suis reconnaissante, parce que à l'origine je n'étais pas prévue sur ces ateliers. J'étais pas prévue du tout sur ce deuxième jour. J'ai eu la chance de pouvoir y participer et donc de découvrir toutes ces pratiques. Alors, waouh! En fait, ben voilà, vous avez entendu, vous avez vu une journée très très riche, encore plus riche que la première. Donc ben maintenant, ben, j'ai hâte à demain, donc pour le dernier jour. Voilà, bon bah ben, ciao ciao, et puis à très vite!